Le spécialiste des têtes couronnées était invité par Anne-Elisabeth Lemoine ce jeudi 21 mars et il a appris une tragique nouvelle en direct. Je suis très ému parce qu'évidemment c'était mon modèle, c'était un ami, j'aurais du mal à en parler au passé, a-t-il confié lorsque Anne-Elisabeth Lemoine a relayé la disparition de Frédéric Mitterrand. Je le savais malade, on échangeait, je prenais des nouvelles auprès de Jean-Gabriel, son frère, mais... Ça me touche énormément, a poursuivi Stéphane Bern, les larmes aux yeux. Frédéric Mitterrand, qui est décédé à l'âge de 76 ans, le neveu de François Mitterrand, avait été ministre sous le mandat de Nicolas Sarkozy de 2009 à 2012.